Et puis pour clore cette page sur la crise irakienne, comme nous le faisons dans chacune de nos éditions, pardon, nous donnons la parole à une personnalité. Faut-il intervenir en Irak? La question est aujourd'hui posée à Dalil Boubaker, le recteur de la mosquée de Paris. Les musulmans que nous sommes ne comprenons pas vraiment les raisons profondes qui conduiraient à provoquer une telle catastrophe sur un peuple, sur des hommes, des femmes, des enfants, des structures d'un État. On n'agresse pas un peuple de cette manière-là. Et par ailleurs, nous pensons que les conséquences de cette guerre seraient redoutables. Et par ailleurs, à long terme ou à moyen terme, qui sait ce qu'il adviendra de ces formes agressives de l'islam, de la violence internationale, de ce qu'on appelle l'intégrisme et du terrorisme, si par malheur il s'avérait que la violence portée dans ce coin du monde aurait pour effet d'être un véritable coup de pied dans un guépier qui pourrait à ce moment-là sécréter des nuisances dans le monde entier.